Salut tout le monde, c'est Lagron, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis en train de marcher évidemment, j'ai quand même beaucoup d'affaires sur moi que je ne peux pas trop enlever pour faire la vidéo, mais du coup c'était pour vous parler de plusieurs choses. Donc j'essaye ce format dehors parce que c'est pour tenter en fait, tout simplement, donc en marchant en même temps. Du coup, c'est filmé avec un téléphone, c'est pas stable non plus vu que je le tiens juste avec ma main. Mais bon, c'est pas grave. Et puis le bruit de fond, je sais pas si je vais l'enlever, le bruit du vent, je pense, je vais le garder parce que ça amène son petit côté naturel, on va dire. Du coup, alors, ce que j'avais comme message à vous dire, c'est tout simplement que la série Rogue Legacy, je vais tout simplement l'arrêter parce que il n'y a pas assez de personnes qui la regardent, il n'y a vraiment personne qui la suit en fait. Vous êtes juste deux ou trois vues, donc c'est vraiment très très peu, deux ou trois vues. Donc voilà, je vais arrêter la série Rogue Legacy. Après, vu que je viens juste de finir avec le boss à le tuer, le premier, je vais continuer en solo aussi et à m'entraîner, mais sur une autre partie, comme ça au cas où, voilà. Si jamais vous avez envie de reprendre la série, on pourra la reprendre, voilà. Ensuite, en deuxième, on a la série J'apprends à build qui va revenir en force demain. Donc ce mercredi, la série J'apprends à build revient en force. Et par contre, vu que par rapport au montage, en fait, j'avais pas étudié dès que j'avais fait le record. J'avais pas du tout fait en sorte que ça tienne dans un seul épisode. Parce que j'ai parlé tout du long. Et vu que en ce moment j'ai pas nécessairement déjà le temps de faire trop de montage. Et puis j'ai pas envie de faire trop de montage. Parce que je préfère ne pas faire trop de montage. Bon là ma tête est un peu sombre. Je préfère ne pas faire trop de montage pour me concentrer sur autre chose. Et pour aussi... parce qu'en fait le montage je le trouvais au début du défi une vidéo par jour que j'ai d'ailleurs loupé. Je trouvais que le montage j'en faisais beaucoup beaucoup trop et que genre je cutais tous les mini blancs quand je parlais etc. Donc ça m'embête et ça m'embêtait un peu. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le défi une vidéo par jour. Et pour d'autres raisons aussi, donc il y avait les miniatures, je voulais m'entraîner en plus. Et puis aussi faire des vidéos tout simplement. Donc voilà, bon là je le tourne un peu vu qu'il y avait un passage piéton. Mais bon, bref. Du coup, en gros, après cette série qui va arriver demain, qui revient demain, je vous ai pas tout dit dessus. Donc il y a un nouveau planning de vidéo qui va arriver dès demain en fait, justement. Donc dès ce mercredi, il y a un nouveau planning qui va se mettre en place. Donc c'est un planning de 4 vidéos par semaine, c'est plus une vidéo par jour. Parce que je suis en période d'examen en plus. Et j'ai envie aussi, par rapport au montage, oui, j'ai pas envie d'en faire beaucoup trop, etc. Mais j'ai quand même envie de faire les formats qui me plaisent. Parce que avant je faisais ce qui me plaisait aussi. Mais je me limitais un petit peu par rapport au temps de montage. Par exemple, Rogue Legacy, j'ai mis longtemps avant de faire l'épisode du boss. Parce que je pensais que ça allait me mettre longtemps, juste le temps de record, je pensais que ça allait me mettre longtemps, donc plus d'un jour. Parce que en fait, le boss, je savais pas si j'allais le tuer dès le début ou pas. Bon, au final, je l'ai tué dès le début, mais voilà. Pour ce qui est du planning, le planning, en fait, du coup, il va démarrer demain. Il y aura le lundi une vidéo à 16h. Le mercredi, une vidéo qui sortira à 15h. Le vendredi, une vidéo qui sortira à 18h. Et le dimanche, une vidéo qui sortira à 9h en fait. Bon, les heures, je les mets dans le à propos de la chaîne. Ne vous en faites pas. Ça sera pas comme avant où j'avais fait un planning où c'était par type de vidéo. Donc là, c'est juste, je vous annonce quand est-ce que je publie des vidéos, quoi. C'est tout, en fait. C'est pas genre, le lundi, par exemple, je publie du Fortnite. C'est pas ça, en fait. C'est plus genre, le lundi, je publie une vidéo à telle heure. Voilà. Ou en semaine, tous les lundis, à telle heure, je publie une vidéo. C'est plus ça. Donc ça me correspond bien mieux. Comme ça, je peux choisir le thème de la vidéo que j'ai envie. C'est bien plus cool, en fait. Et en dernier, ce que je voulais vous dire, enfin, si j'ai pas d'autres trucs à rajouter au montage,
Normalement, il me semble que non. Ou alors juste à rajouter en plus en séquence. Donc, le dernier truc à vous dire, c'est pour la série bordélique. Donc, le faction, je ne l'ai pas abandonné. C'est juste que le montage, vraiment, il était vraiment hyper long. Et vu qu'il est arrivé, genre le record, j'ai fait un record avec Azodox pour le dernier épisode du bordélique qui sortira. Enfin, le prochain qui sortira, quoi. Et le record en soi, bon, ça va, il a duré 1 heure. Mais le montage, il y a tellement de montage qui est demandé, de temps de montage, que je pouvais pas trop le faire pendant cette période. Et que même là, j'ai un peu du mal, il faut que je sois sorti de la période pour que je puisse. C'est-à-dire que dès que j'aurai plus trop d'euros ou des trucs du genre, je pourrai le faire. Donc c'est après le 20, donc elle sortira. J'ai mis un espèce de petit planning. Elle sortira le 29, cette vidéo-là. Donc la prochaine bordélique. Et après, vu que je serai seul en vidéo, j'essaierai de sortir plus couramment. Si on est deux à parler, je vais me concentrer plus sur la parole en plus pour le montage. Et pour que ça, pour rendre dynamique, je vais être limite obligé de mettre beaucoup de montage en fait. Et du coup, voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Peut-être je pourrais essayer une fois de faire avec moins de montage. Mais bon, je verrai à la limite ce que ça donne si je fais avec moins de montage. D'ailleurs, il y a une autre vidéo avec un autre ami à moi qui arrive. Non, je sais plus quelle date, mais c'est dans 1 semaine ou 2, un truc du genre. Bon, en tout cas, voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc, bon, j'ai tenté de le faire dehors, mais en soi, c'est juste une vidéo. C'est une vidéo point comme les autres en soi. Donc voilà, j'essaye de la faire dehors quand même. Sinon, pour mes vidéos, du coup, j'essaye de un peu plus suivre ce que j'ai envie, mais pas non plus faire trop de montage. Parce que actuellement, c'est. Bah, en fait, je peux pas faire une vidéo par jour déjà pour autant de montage. Et c'est le but que je voulais. Le but, c'est de réduire mes besoins en montage. En fait, dès que je monte une vidéo, comme je l'ai dit, je monte un peu trop, je coupe un peu trop tout le temps. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est un peu réduire ces moments de cut pour qu'il y en ait plus des nécessaires que trop en fait. Et ce que j'ai pas à rajouter en plus, c'est que s'il y a une vidéo qui va durer, on va dire au montage en gros, il reste 40 minutes de vidéo. Et ben en fait, je vais me mettre à 30 minutes à peu près au maximum, je pense, pour mes vidéos. Et du coup, ce que je vais faire pour que la 40 minutes puisse quand même sortir, c'est qu'en général, j'essaierai de la couper en 2 vidéos, si je peux, la couper en 2 vidéos pour sortir 2 vidéos à la suite. Donc, genre, là, demain, ce qui va se passer, c'est que je vais sortir une première partie, vu qu'elle dure longtemps quand même, la vidéo montage. Je vais sortir une première partie, donc demain, et puis la deuxième partie jeudi. Comme ça, vous aurez une vidéo de plus cette semaine d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est comme ça que je vais fonctionner pour ce type de vidéo. Évidemment, il y a peut-être des vidéos qui vont durer plus de 30 minutes, mais pour certains types, eh ben, ça sera coupé en deux. Voilà, si j'arrive à couper en deux. Si c'est par exemple comme celle de demain, où genre c'est j'apprends à build et vu que c'est divisé en 2 thèmes, ben, je peux couper les 2 thèmes en 2 vidéos. Donc ça va. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!